Salut, voilà une nouvelle vidéo sur l'histoire du loyer impayé de Emma l'Ouest en B17 du magazine Louis pour faire la vente de tout ça. Emma l'Ouest, à travers en B17, donne une droit de réponse à travers un communiqué, comme vous le savez, depuis maintenant 24 heures ou plus de 24 heures. L'internet est en émeute parce que quelqu'un a fait sortir des vidéos ou des vidéos et des captures où on voit bel et bien où Emma l'Ouest était dernièrement de manière délabrée, où la personne disait subtilement sans dire son nom qu'il y a des loyers impayés, aérés de 7 mois impayés, tout ça. Tout le monde a dit ouais, tout ça, Kérosène a parlé, quand même ça m'a parlé. Voici ce qu'il en est réellement. Ici, par rapport au communiqué, je vais vous faire un résumé. Vous vous rappelez de l'incident où Emma l'Ouest parlait de l'inondation, du fond qui avait été décoiffé, où il y avait l'eau, tout ça là. L'eau s'étant introduite et par rapport au bâtiment qui n'était plus adéquat, bien sûr, avec peut-être, je dis peut-être des fissures, il n'était plus adéquat pour le commerce, tout ça, et puis qui était un danger pour sa sécurité, des employés du service, Emma l'Ouest a préféré aller prendre un autre coin. Un autre appartement. Comme le proprio étant loin d'Afrique, c'est-à-dire en Europe ou aux Amériques, par rapport au contrat de bail, il y a eu quelques. Voilà, Emma l'Ouest, bien sûr, voulait déménager immédiatement, donc elle a prévenu le monsieur, mais il n'était pas là pour constater. Mais il a eu, voilà, a fait ce qu'il fallait, bail, tout ça, témoin, machin. Donc le propriétaire n'ayant pas reçu la clé, il vient en Côte d'Ivoire. Il dit que comme il n'a pas reçu la clé, il veut qu'elle lui rembourse les moments où elle n'était pas là, qui sont de 7 mois. La question est pourquoi le monsieur n'était pas là, pourquoi c'est maintenant qu'il réclame 7 mois? Dites ce que vous pensez de tout ça.